Et donc on est parti. Ah merde, c'est quoi déjà le nom de cette map? Je sais plus. Ouais, c'est la map. Je crois. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Abyss, je sais plus quoi. Ouais, mais allez, en vrai, c'est vraiment une map assez cool. Et assez agressive parce que vraiment, tu peux. Si tu sais viser les plateformes, Ah oui. elle est vraiment bien. Et cette fois, là c'est l'image qui est Alors, plein par contre, avantage. ah putain, je pensais qu'il avait déjà utilisé son hubby, du coup je me suis dit qu'il était dans la merde, mais apparemment non. Ok. Ah, l'Uptilt qui va être Ah, punish. construction. Nimai qui fait beaucoup confiance à son down smash dans le sens où en fait il va tenter beaucoup de down smash en pensant que l'adversaire va mal DI, tu vois. Vu que c'est un smash très particulier, du coup il s'attend à ce qu'il y ait une miss DI, tu vois. Bah, en soi, c'est le principe même. Le move, de toute façon, se base là-dessus, c'est plus quand le time est, tu vois. C'est ça. C'est. Bah, le move devient vraiment très fort, c'est lors d'une phase d'avantage sur une read et Ouais, ça va être la punish mid ça. DI est vraiment très facile. T'as beaucoup de lag sur le. Comment ça s'appelle? Sur le hubby de Sylvanas, ce que tu peux faire, c'est juste attendre qu'il revienne. Et le temps qu'il soit sur le terrain, qu'il sorte de son hubby, tu vas avoir largement le temps de le punir. Ouais, large. T'as même des persos qui peuvent couvrir les deux parties. C'est ça. Genre, je sais qu'avec Zeterberg, je me mets à un endroit. S'il n'y a pas de pelouse, j'attends et je joue d'autres smash. Ah, et même, de toute façon, même s'il y a de la pelouse, normalement, il peut pas t'avoir. Là, on a eu une bonne réactivation du hubby. On a follow derrière, c'était bien. Et il réessaye. Ok. Attention, ouais. Ok, le bon F-Smash. Wow! Il se fait avoir, mais Ouais, mais là-dessus, Nimai qui se fait vraiment avoir sur ses mix-up de Rico. Ouais. Là, c'est compliqué pour Vanjo. Ok, belle DI. On aura pas d'up smash. What? Il a man. Attends, c'est avec le nerf qu'il a mangé Je sais pas. le neutral B? Je pense qu'il y a moyen que ce soit ça. Ouais, sinon. Ok. Ah, dommage. Je sais pas ce que ça a voulu tenter de read. Même sur une drift totalement in, je pense que ça pourrait pas follow avec un upper comme il a fait. Hein. À voir. Oh! Et il a bien taf Oh. ça. Il a bien taf ça. C'est pas la première fois que Ouais, je vois ouais. qu'il fait ça, il a bien taf. Ah non, mais le fait de waveland sur le stage comme ça, c'est Ouais. vache. Bah, C'est surtout pour vraiment. Krag, hein. Surtout Voilà, pour Krag. typiquement ce que je te disais. Voilà les misiers à base de. Bah là-dessus, surtout qu'il a utilisé. Nimai s'y attendait. Pardon, Banjo s'y attendait pas, donc on soit là, il a bien. Ça dit in Allez. côté banjo et du coup ça fall avec le upper, avec le tilt. Compliqué. Ouais. Oh, dommage. Ok, ça jab Non, ok, il check. s'en va. Oh, ça. Ça bête. Oh, deuxième utilisation Oh, de B, plein le. avantage. Le up smash qui était pas typé. Ouf, là c'est plus compliqué pour. Ah non! Oh non, c'est dommage. Oh! Oh! Oh, je le sens gros comme une maison! Oh! Bon. Ah mais oui, le faire! Ah mais oui, et eh ben voilà. C'est reverse, c'est reverse, c'est reverse. C'est totalement reverse. Ah, c'est vraiment. Ah, c'est vraiment des trucs que Nimai, il a du mal parfois à gérer les rôles. Ouais. Oh, perdre la game là-dessus, c'est trop triste. C'est dommage, hein. Parce que pour le coup, il Ouais. avait laissé vachement de temps dehors et il avait l'occasion de beaucoup gratter, mais il s'est fait reverse totalement. Ah ouais, totalement. Et Banjo, quand il a l'occasion de catch un truc, quand il voit une. Enfin. Il punish super bien, Banjo. Ouais. Autant Clairement. les combos, c'est pas ce qu'il a de plus fort. Ouais, voilà, par exemple, avec Krag. Mais par contre, Krag, ça punish tellement bien de base. Ouais, aussi, il est vachement bon aussi pour fermer l'espace. Ouais. Et dire, ah, tu veux revenir? Non. Repars. Ok, c'est bien vu. On a de la bonne musique quand même. Hein. Oh, quoi? La musique de Quoi? Shovel Knight. Il est trop patient! Oh non, la mauvaise Oh. DI! Banjo qui ferme l'espace, et là ça met vraiment Nimai dans la Oh, sauce. bien vu ça. Ah oh, bah voilà, ça va rendre. Nimai a pas fait vite. Aïe, 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 la spéciale Le setup! Nimai! Vraiment, il les place super bien, ces setups, Nimai. Hein. Ok. Lâche attaque. Bonne phase de Nimai, hein. Ouais, très bonne phase. Oh, bien vu le caillou.
Shonen B. Faire, faire. C'est vraiment compliqué. Hein. Salut Banjo. Ok, ça va. Ah, ça essaye beaucoup de faire. En même temps, les fers sont tellement... Enfin, sont tellement récompensés, genre... Si t'arrives à bien toucher un fer... Déjà, ça met offstage, face de l'échtrap. Et si le mec dit in, tu peux essayer de follow derrière avec un autre fer. Ça, c'est super tendu. Ah, non, je vais t'expliquer. Genre typiquement, ce qu'il vient de faire, c'est parce qu'il savait très bien que Banjo aimait bien revenir sur le terrain avec un Waveland. Et du coup, il a juste balancé des F-Tilt. Mais il s'est pas pris la tête. Ça couvrait le saut aussi. Oui, ça, enfin, c'est vraiment bon. Ça couvrait plein d'options. Il fallait vraiment que Banjo se fasse un énorme tour. Et encore, Niemeyer était tout le temps de finir. Ok, voilà. Oh, bon, c'est top. Les phases de Niemeyer. Juste incroyable. Il a réussi. Ouais. Bah, c'est surtout qu'il a réussi à mettre ses setups. Ah, bien vu ça. Très bien read de la part de Banjo, ça. Ah, dommage ça. DI in. On n'a pas pu follow le derrière avec le up smash. Ok. Oh putain, mais... Oh, il passe à chaque fois à rien de crever, de se prendre des fers, l'animal. C'est ça. Oh, le bon fer ici. On essaie de... Il veut éviter... Ouh, c'est bon. Marico qui va passer. Et attends, mais t'as remarqué ou pas? Il a fait le up B et il l'a désactivé au pile au moment où il allait... C'était vraiment bien joué. Ouais, ça arrête ça. Le down smash qui punish très bien. C'est vraiment dur là pour... Ouais, pour très très dur. C'est compliqué comme matchup, ça a l'air vraiment compliqué. Mais à côté de ça, t'as quand même Banjo qui joue super bien son matchup. Ah, là-dessus, Banjo, il joue vraiment très clean. Hein. Et hop! On respecte pas le DSR, miam miam. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a le DSR, j'avais totalement oublié. Mais non, mais si, il a le droit. Ah oui, c'est vrai, vu que c'est lui qui a gagné. Il a le droit, il a totalement le droit. C'est Niemeyer qui choisit. Ledge cancel. Alors, je sais pas si c'était fait exprès, mais le petit ledge cancel avec le down tilt, avec le donner, c'était vraiment bien vu. Mais ouais, c'est ça. Mais le ledge cancel, c'est vraiment fort comme mec. Et si tu sais bien l'utiliser, ça peut être ultra fort comme mec. Banjo, j'ai l'impression qu'il a vachement step up sur les déplacements. Ouais. Là-dessus, ouais, le random smash. Vraiment, il joue son plan de jeu et il le joue vraiment bien. Hein. Ouais. Il overextend pas, il est vraiment très clean. Hein. Ça fait vraiment plaisir à voir. Parce que bon, hein, nous on aime le bon jeu, on aime la prise de risque. Mais bon, c'est pas tout le temps optimal, on va pas se mentir. Ok, le père. Le dommage. Tu veux la baston? Ok, side B. Le problème, c'est que Niemeyer deal, mais derrière, il a tellement du mal à kill. À côté de Banjo qui meurt. Ah ouais, ça c'était mal DI par contre. Hein. Mal DI et belle rip de Niemeyer. Parce que vraiment, il l'a touché sur le box étendue du F-Tilt. Hein. Ouais. Ah, dommage, ça vous le follow. Ouais, le setup qui va passer. Ouais, forcément, là, il est mort. Alors, c'est dur. Hein. Vraiment, le match-up crack Sylvanos Niemeyer. Ah, le pauvre, là-dessus. Hein. Il arrive vraiment pas à passer outre ce match-up. Oh putain, le barrage de qui nous fait Banjo. tu te dis bon, alors. Il adore son fer, je crois. Hein. Il a de quoi, vraiment, il peut en confiner. En plus, bah là il est à pourcent. Là il a l'air d'être. Banjo, il a l'air d'être. Alors, Niemeyer est à pourcent de se prendre les fameux setup faire. Ouais. Donc. Ouais, voilà. Il les passe bien. Je sens bien joué de la part de. Niemeyer, mais ouais. Je sais pas, Sylvanos, c'est vraiment un personnage à travailler très très profondément. Faut vraiment très bien le travailler et. Le bon fer, c'est vraiment le fer de Crax, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un match-up où si t'as un Sylvanos, tu dois vraiment avoir des setups de l'infini. C'est ça.